Un peu de stupéfaction, un peu de découverte, un peu d'agacement, de déception, parfois un peu de colère, et parfois de l'émerveillement. L'émerveillement, il vient toujours des acteurs, en fait. C'est-à-dire quelque chose qui se produit dans l'appropriation, la façon qu'un acteur a d'arracher le texte au fichier ou à la page, qui est proprement comme ça, sidérant. Bon. Ça c'est un grand bonheur. Mais pour le reste, je suis un spectateur presque distrait de mes propres pièces, de mes propres propositions dramatiques. Je rêvasse un peu. Je suis très très mauvais critique quand je suis assailli par une équipe qui me dit bon alors maintenant on parle. La plupart du temps je suis incapable de dire quoi que ce soit, voilà, ou très peu de choses. Ce sont des moments, des. Je n'aime pas tellement cette expérience d'être dans la salle, etc. C'est une chose que je n'aime pas trop. Je n'aime pas trop savoir que les acteurs savent que je suis dans la salle. Il m'arrive d'aller dans un théâtre et d'acheter ma place et d'y assister de façon tout à fait anonyme. Disons que c'est une position qui m'intéresse davantage que celle qui consiste à discuter avec le metteur en scène jusqu'à 5 minutes avant le spectacle et puis ensuite de le retrouver pour boire un verre à l'issue de la représentation, quoi. C'est en fait, c'est ce n'est la jouissance que j'ai de l'opération théâtrale, elle est dans la projection mentale que je fais au moment de l'écriture, en fait.